Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermyth, Legend of Quartermaster. On se retrouve avec notre fine équipe qui s'était pas trop mal tirée de ses débuts. Hein. Bon, il y a Laura qui a un peu pris cher, mais elle va se soigner. Je pense que c'est elle qui va s'occuper de construire l'avant-poste. Sachant que ça va nous coûter notre dernier point d'héritage, ça pourrait éventuellement être passable. Qu'est-ce qu'on peut construire d'intéressant? On va déjà regarder. Tac, alors du cuir et du tissu ou de cuir. Et si elle travaille toute seule dessus, 40 jours et un point d'héritage, ouais non, c'est pas utile. J'aimerais bien en fait qu'elle travaille là pour pouvoir se soigner tranquillement pendant que les autres s'occupent de ça. Ah, allez, on va le faire, c'est parti. On va aider ce petit coin. Hop, c'est parti, elle va travailler là-dessus. Et ici, on va lancer l'assaut avec 3. Il y a 4 de force, mais c'est 4 de force de base. On a quand même des héros qui sont pas non plus level 1 tout bidon. Il y a moyen que ça passe. Alors, le soleil se couche et un brouillard argenté flotte dans les arbres. Grumblebrack, est-ce que c'est toi ? On est tous en train de se perdre dans ce brouillard, c'est en train de devenir de plus en plus dense. J'arrive pas à me souvenir avoir déjà vu un brouillard pareil. Écoute, même les oiseaux sont silencieux. Ça sent l'arnaque. Alors, le silence forme comme un mur autour d'eux, impénétrable, l'air est presque en train de devenir opaque. Pisse-pousse ! Je crois qu'on devrait pas rester ici. Allons jusqu'aux arbres, au moins ils sont solides. Alors, ils s'arrêtent juste à la lisière des pins. L'air est en train de devenir humide. Les troncs... Zepress ou Dumpens and Pounds. Les troncs visiblement sont eux aussi un petit peu tout humides. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, c'est pas très bien. Et soudain, quelque chose de vaste bouge au-dessus d'eux. Lentement. Très lentement. Et il passe. Trop énorme pour être vu. Impossiblement silencieux. Ce n'est pas... Ça ne peut pas être. Visiblement une espèce de... géant. La nuit tombe. Le brouillard s'éloigne. Se dissipant alors que les restes de cette ombre gigantesque disparaissent. Et ben ils ont assisté à un truc. Alors, trouvons Pisse-Pousse. Peut-être qu'elle l'a vu elle aussi, peut-être qu'elle l'a mieux vu. On devrait plutôt aller regarder maintenant les traces. Les traces se refroidissent vite dans la nuit. Non, on va trouver Pisse-Pousse. Ce n'est pas la meilleure nuit pour chasser des créatures lunaires. Il se retrouve dans la clairière. Ah, dame, Grumblebrack. Même le jeu a honte d'écrire un nom pareil. Alors les criquets se remettent à faire leur rythme et les oiseaux se remettent à chanter. Apparemment, Pisse-Pousse a été également capable de voir l'ombre géante. Mais elle n'a pas vu mieux qu'une vague suggestion de la forme. Alors, ensuite, alors qu'ils étaient en train de décider s'ils montaient leur camp ou s'ils cherchaient pour des éventuelles traces gigantesques à la lumière des étoiles, quelque chose a dérangé la ligne des arbres. Et on dirait qu'elle nous saute dessus. Ah, plus un hit point pour tous les héros, ça c'est cool. Alors, on va avoir deux Ragers. Les Ragers, c'est ceux qui chargent en ligne droite. Plus 30% de santé. On va avoir un Raccoon. Lui, je crois qu'il balance des pics de mémoire. Et un Cerf. Plus 100 d'armure et de protection. Et il laisse une traînée de terrain corrompu derrière lui. Très bien. Il faut qu'on tue tout le monde. Simple, efficace. Alors, est-ce que à tout hasard, toi, si tu viens là... que tu prends ton arme, t'es capable de le toucher. Il y a une bonne couverture quand même, mais ça peut quand même faire quelques dégâts.
Ouh, en plus on cale une prouesse. Il est pas mort mais presque. On a également Dame un phénix hein, qui a un arc de qualité, faut pas l'oublier. Seulement 50% de chance de toucher, mais bon, toujours mieux que rien, nickel, ça passe. Et du coup, elle se cache instantanément, et alors elle, son arc, hein, si elle fait un coup critique, ça lui donne des points de vie supplémentaires. Deux points de vie supplémentaires, parce que c'est un arc de type feuille. C'est plutôt propre, franchement. On va aller se placer ici. Et on va se mettre en gardien, ça devrait suffire à protéger Grumble Barak si quelqu'un le charge, par exemple un Rajors. Voilà, il charge dans les trucs, ils en ont rien à foutre. Non, il a fait tout le tour le petit sagouin, je savais que j'aurais dû prendre la lance. C'est pas très grave parce qu'on peut aller le taper. Bim. Toi, t'es camouflé, hein, donc tu peux t'éloigner, lui mettre une petite flèche, ignore l'armure parce qu'elle était cachée. Alors, elle a sa dague hein, qui pouvait faire des dégâts supplémentaires si elle était flanquée. J'avais oublié que la masse repoussait, faut que je me recale un petit peu dans le jeu malheureusement. Et là, bah, on va devoir le finir. Hein. Allez, bim. Je reste collé à Pispousse pour avoir le bonus de protection. Ouh, dame qui esquive. Et là, zéro dégâts grâce à la protection. Parfait. Alors, faudrait qu'on aille jusqu'ici. Si on veut le flanquer, le repousser contre le... Voilà, on le repousse. Et donc là, par contre, si on prend la petite dague... Ah oui, il faut qu'on soit... Voilà, on va se recacher, ce qui fait qu'on prendra pas de coups. Elle attaque pas en diagonale la dague, faut que je m'en souvienne de ça. Et toi mon cher, tu peux prendre l'épée. Mettre une petite tatane, il a toujours son bouclier pour se protéger, hein, donc on n'est pas non plus ultra inquiet. Un de dégâts. Reprends ton arc ma chère. Ouh, l'esquive du cerf. Le petit sagouin. Bim. Ça va, on a perdu un PV, franchement, on peut supporter ça. Alors, on a trouvé une broche, plus de précision. Qui c'est qui a une précision un peu pourrie? Toi, ça serait pas de mal un peu de précision. Ouais, c'est Dame qui va la prendre. Alors, le combat les a ramenés sous les arbres. Je trouve que c'est silencieux. Je n'aime pas les batailles de nuit, j'arrête pas de me cogner dans les arbres. Alors, ils recherchent des signes du passage du géant, mais ils sont forcés de camper à quelques heures pour pouvoir récupérer quelques heures avant le lever du soleil, vu qu'ils n'ont rien trouvé. Cependant, l'histoire marche quand même très bien dans les tavernes, et ceux qui l'ont vu rêvent. Alors, un être colossal, tout, enfin comment dire, une ombre gracieuse avec un brouillard argenté et terriblement silencieux. Il rêve de le revoir un jour. Il rêve pour des années et des années. Ouh, bah 3 points d'héritage, ça fait plaisir. Bon bah on a bien fait de lancer la construction de l'autre truc. Ah, et le raton laveur gagne 1 d'armure et de protection, carrément. Putain, les gorgones, il va falloir qu'on leur enlève quelques cartes parce que c'est notre ennemi principal et... Il chope des trucs, hein. Alors, elle a pas encore terminé. Ici, on pourrait sécuriser la zone. On va continuer, là sur ce truc là on va le faire. Alors elle travaillerait 2 fois plus vite si on l'envoyait là. Alors il faudrait qu'elle voyage et après 70 jours quand même en travaillant 2 fois plus vite. Et là 47 jours, ça, elle il reste 10 jours. Ouais, on va faire ça.
histoire qu'ils travaillent, et une fois qu'on aura, elle va être soignée, on aura un groupe un petit peu plus complet. Voilà, on va pouvoir avoir un petit peu plus de tissu. Ça c'est cool. Et du coup, on va inverser un petit peu. Ici, on va envoyer... Pas toi toute seule, certainement pas. On va envoyer Pispousse, Grumbleberak, non. Dame Phoenix et Laura. C'est parti. Avant, on va se retrouver là. Donc toi, tu n'as pas la peine de gazer, tu vas déjà te retrouver. Toc, voilà, vous allez ici. Et en attendant, Laura, elle va mettre un petit peu de défense. Voilà, commencer à travailler dessus pendant qu'ils arrivent, on va dire. Voilà, et du coup, derrière, on va aller explorer un petit peu la zone A3. Ça va annuler sa... Enfin, ça va laisser sa défense en plan, mais c'est pas grave. Au pire, Grumbleberak pourra s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des gorgones de force 3. 4, pardon. Et là, il a pas tout à fait terminé, donc on va lancer l'assaut. C'est parti. Alors, un étrange bruit rythmique filtre à travers les arbres. Ça devient de plus en plus fort. Mais ça n'a pas l'air d'être agressif. Par ici. Alors, un ancien ox, je sais plus ce que c'est un ox, un bouc on dirait, enfin un yak, c'est bizarre, un truc bizarrement gorgonné en tout cas, il frotte son corps contre un tronc, ok. Et visiblement ça arrache des gouttes de sang, on dirait qu'il est malade ou quelque chose. Alors, le ox ne bouge pas quand Laura s'approche. Elle note une blessure à la base de son cou. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Quelque chose de bleu. Un pomégranate seed. Ok, je sais pas du tout ce que c'est qu'un pomégranate, mais une graine de pomégranate. Mais c'est aussi gros que mon poing. Alors, j'ai des doigts très affûtés. Laissez-moi essayer de déloger la graine. On devrait plutôt le tuer et le laisser mourir avec dignité. 56% de chance de réussir, c'est pas lourd, hein, mais on va quand même tenter. Alors, elle fait un effort, mais... Ah, ça glisse trop. La graine rentre encore plus profondément. Et du coup, le ox charge dans son agonie et il l'envoie sur le sol. Et du coup, on voit des yeux apparaître tout autour. Tenez bon! On va avoir un malus probablement. Alors, ça va, c'est correct. On n'a pas eu de bonus, mais on n'a pas de malus non plus, c'est pas si mal. On va s'approcher de la porte et l'ouvrir. Et visiblement, il n'y a rien. On va avancer un peu. Te cacher toi. Hop là. Alors on a le choix entre les deux portes. On va prendre celle-là. Ah, on a trouvé un Rager, donc il va charger comme un gros sac. On va se mettre en gardien. Ici, est-ce que je peux avoir un angle? Là je peux avoir un angle. 43% de chance seulement de toucher. C'est pas ouf hein. Pas hyper efficace l'ami dame là. Mais on va pouvoir interfuser avec la lampe pour les aveugler, c'est pas mal. Ok, on a réussi à aveugler le Rager, le raton laveur a esquivé, il va lancer son alarme. Oui, tout cover. Allez, un petit gardien, on le repousse, il revient, il nous tape, il nous fait rien. On va le défoncer. Alors, j'ai le réflexe de faire A et E pour tourner la map, mais ça ne marche pas. Allez, bim. Toujours ça de pris. Toi ma chère, tu vas aller là, tu peux interfuser avec quoi? La caisse ici. Un présentoir. Ah, on pourrait faire une lance d'ossement, ça c'est bon ça.
Voilà, parfait, ça perce l'armure en plus. Bon, par contre, il a déclenché son alarme, donc les autres vont venir. Voilà, on voit qu'il commence à casser la porte ici. Jusqu'où tu vas, toi? Jusque là, et toi tu vas jusque là. Donc vous pourrez pas aider. Donc pour l'instant, on va se mettre, on va se contenter de se mettre en gardien. Ils ont pas réussi à casser la porte. Toi, tu peux interfuser avec ça. Ouais, lancer des petits cailloux. D'abord, ouvrons la porte. On trouve un Rager et on trouve le chevreuil. On va se mettre là. Ah, il esquive, le petit sagouin. Bim. Alors, on peut interfuser avec la statue. Les papiers. La statue, c'est pas mal. Ça fera le taf. 100% de chance, c'est propre. Le Rager va se charger comme un gros sac. Il a détruit un petit peu d'armure. Ouais, rien de fondamental non plus. Hein. Toi, tu peux pas venir assez proche pour pouvoir le flanquer. Donc, on va y aller à l'arc. Et puis, bah, toi, j'ai envie de dire, t'as ton petit caillou. Ah, il a bloqué. Oula, il sait pas trop quoi faire. Finissez-le! Oh, et puis ce pouce qui reste efficace, hein! Il faudrait presque une arme qui perce les armures, un peu une hache par exemple. Alors, pisse pouce gagne un niveau. Alors, ça c'est une nouveauté de la V1.0. On a toujours les trois compétences, qui sont d'ailleurs un peu plus classe qu'avant, et on a en plus la possibilité de mettre à jour une compétence qu'elle a déjà. Donc on peut maintenant spécialiser les héros, plutôt que leur donner plein de compétences, on peut leur mettre à jour une compétence existante. Là en l'occurrence, on pourrait mettre à jour Secours, qui permettait de donner des points de vie temporaires. On pouvait utiliser une fois par combat, on pourrait utiliser deux fois par combat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus 1 de dégâts pour toutes les attaques de corps à corps. C'est pas mal. Défi retentissant, une fois par combat en tant qu'action rapide, elle effraie un ennemi le forçant à passer son prochain tour à fuir. Ça peut être pas mal aussi pour gérer la foule. En tant qu'action rapide, une fois par tour, Pisse-Pousse peut démarrer un incendie sur une tuile vide ou briser un décor adjacent. Ouais, ça c'est un peu moins utile dans le contexte. Alors que je crois que Dame Phoenix a des flèches enflammées, mais je suis plus sûr. Je crois pas que je l'avais pris. Non, j'ai pris le truc qui fait qu'elle se cache quand elle meurt. Quand elle tue un ennemi. Qu'est-ce que je comptais faire? Elle gagne un petit peu de puissance, donc elle a 1.5 de puissance, du coup elle ferait 5 de portée avec ce truc là. C'est une action rapide en plus, hein, ça consomme pas son action, je pense qu'on va prendre le défi retentissant. Et on trouve un bouclier, pourquoi pas. On pourra le donner à Dame Phoenix quand elle équipe sa dague. Ouais. Allez, plutôt que le détruire. Ah, la vache, les raccoons deviennent deux raccoons. Et B, plus leur bonus d'armure. Commence à être un peu énervé. Alors, bon, on a géré la zone, c'est plutôt bien. Ici, la défense, je pense pas qu'elle soit vraiment utile pour l'instant. Peut-être quand on aura découvert les zones par là. Mais faut savoir que les défenses, ça a un petit peu changé. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, il me semble. Maintenant, en fait, ce que ça fait, c'est que quand il y a une invasion, elles traversent, en fait, elles ont une certaine force, les invasions, par exemple 5 de force, mettons, et de la zone d'où elles partent, elles traversent différentes cartes, et en fait, pour chaque point de défense, etc., qu'il y a sur la zone, elles perdent de la puissance, mais elles continuent d'avancer, ce qui fait qu'avant, elles envahissaient la zone, puis c'était terminé. Donc au pire, on pouvait se permettre de le laisser faire. Maintenant, il faut vraiment les arrêter, sinon elles traversent jusqu'à ce qu'elles aient tout épuisé leur puissance. Et bien sûr, plus vite on les intercepte, plus leur puissance est forte au combat, quoi. Là, je pense qu'on va sécuriser ça. À nous trois, lui, il lui reste pas grand-chose pour terminer. Ah, ici, c'est devenu infesté. Ok, on a terminé là. Qu'est-ce qu'il a trouvé de beau? Du bois ou des fils de magie?
pas voir ce qu'on a. On va prendre les fils de... Ah non, on trouve les deux, pardon, excusez-moi. Et on a trouvé une cape de chevalier, plus d'armure. Laura, elle est à 0,9 d'armure, ce qui fait qu'elle a même pas 1. Je pense que ça lui ferait pas de mal, une petite cape... pour se protéger un peu. Et toi, alors ici, c'est devenu infesté. Donc faudrait qu'on évite de s'y balader trop nombreux. Si je t'envoie là-bas 12 jours et 14 jours pour terminer, ce serait pas mal. Et après, on pourrait se retrouver sur cette zone-là. Après, il y a une infestation qui va popper, là. Donc eux, ils ont terminé. Ouais, c'est très bien. Partons pour le prochain combat. Encore du bois et du fil de magie. Et des épaulières qui donnent plus de santé. Alors, elle en a déjà... on va améliorer la santé de Dame Phoenix avec ses magnifiques épaulières en épines. Et on va les envoyer scouter cette zone à 3. Ici, ce sont des abyssaux et en plus, c'est infesté. Ah oui, il faut qu'on se tire assez vite par contre. T'as pas fini toi? Si, t'as fini. Reviens là. En espérant qu'il se fasse pas choper. C'est bon. Ah, j'ai vu qu'il y a une rivalité qui est apparue. Alors, Grimblebargarkark et Dame Phoenix sont maintenant amis, et Dame et Laura ont commencé à être rivaux. Ah, et on a des calamités qui tombent. Alors, on va annuler Gorgon direct, on se pose pas de questions. Et là, c'était des abyssaux, plus 30% de santé pour le frondeur. Une nouvelle carte ici, une nouvelle carte ici. On va éviter cette nouvelle carte. Ça craque déjà 2... enfin 4 points d'héritage, hein. On n'en a pas non plus une infinité. Allez, on termine ici. Et on l'a révélé. Donc là, ils ont une force de 5 grâce au tuiles infesté. Si on patrouille, ça nous prendrait combien de temps? 24 jours. On va lancer l'assaut. On est largement assez fort pour gérer des level 5, je pense. Alors, une marche dans la forêt. R. Ah, elle s'est pris une écharde. Tu dis que tu t'es pris une écharde? Tu dis que je me suis pris une écharde? Tu t'es pris une écharde? Putain, il est génial cet event. on dirait que je me suis pris ce qui ressemble à... Non, on s'arrête là, c'est bon. et du coup, c'est une méchante écharde. Elle a traversé un elm, je sais pas ce que c'est. Oh, je me suis pris pas mal d'échardes, moi aussi, dans ma jeunesse. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Ou alors Splinter, c'est bien écharde. Je vais jeter un œil. Alors, le bosquet est juste un tout petit peu plus loin, donc est-ce que ça devrait vraiment être notre priorité? Waouh, c'est une sacrée écharde! Plus je la regarde, plus on dirait que ça s'enfonce. Alors, on peut essayer de l'enlever ou dire « Ouais, bon allez, on s'en fout, on viendra plus tard. » Mais elle a déjà une jambe de bois, j'aimerais bien qu'elle ne perde pas sa deuxième jambe. Bon allez, Dame, elle fait ça. Allez, cette chose stupide, je peux à peine la sentir. Ha, c'est moi, elle a des cheveux un peu verts là. Eh Laura, qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux? Chut, je ne sais pas. Mais Dame, la prochaine fois qu'on prend une pause, hein. Ouais, ouais, pas de soucis, ça va probablement tomber d'elle-même de toute façon. Ah merde, elle a pris un truc. Seulement, elle n'est pas tombée. Quelques temps après, Dame regardera et verra que l'écharde sera partie. Mais une douleur perçante commencera à se répandre en elle, une douleur qui ira et viendra. Alors, un ancien esprit Helm, c'est peut-être un genre d'ante, a commencé à répandre ses racines dans son cœur. Ah! Ah! Alors, on a des Raccoon 2, des Raccoon 2, un Rajarin, un cerf, un chevreuil, et plus une carte d'ennemi au tour 3.
Et il y a un petit esprit en plus qui bien sûr se tire dans la dans le loin. Dame Phoenix, ma chère, qu'est-ce que tu quoi? Ah, un orme, un helm, c'est un orme. Il y a une ancienne âme d'orme à l'intérieur du cœur de dame. Photosynthèse, plus 10 de récupération, elle s'imprègne de la lumière à travers sa peau. D'accord, bah pourquoi pas. Je sais pas si c'est ça va être que positif, mais bon, admettons. Alors, on va envoyer elle pour éclairer un petit peu. Ouais, il y a plein de monde, putain, ils sont tous sur le chemin, ça va être chaud de le choper l'esprit, on pourra jamais. Hein. Alors, est-ce qu'on peut interfuse? Pour interfuse avec ça, ça va nous permettre de faire un bon petit ricochet, je pense. Par contre, les chances de toucher sont un peu nazes, mais bon. Voilà, il a esquivé, malheureusement, on s'y attendait un peu. Ici, on pourra tirer. Toi, tu peux aller jusqu'où? Parce qu'il faut que tu tanques un peu quand même. Hein. Et elle a pas le truc qui fait. Paladin, là, le truc qui fait que quand elle. Quand elle s'arrête, elle devient automatiquement en garde. Ça fait plus mal quand c'est à distance. Hein. Ah, et Laura n'a pas aimé là le coup critique de dame, hein, ça énerve Laura. Bah du coup, Pispousse, tu vas quand même venir tanker au milieu, donner des petits bonus. Toi, tu vas changer d'arme. Est-ce qu'il y a moyen que tu aies une portée? Je pense pas. Hein. Lui, il est trop... Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est te cacher pour essayer de poursuivre lui, même si j'y crois pas trop. La petite riposte, hein. J'avais oublié ça, c'est vrai qu'il a une riposte pour quand les ennemis attaquent ses potes à distance. Bim! Il le fait combien de fois? Deux fois visiblement. Ah, et le raton laveur là c'est nourri, je sais pas trop ce que ça fait. Alors, on va aller aggro, comme des gros sacs. Juste pour le plaisir, avant on va tenter un discus quand même. Parfait, il ne nous reste plus qu'un. Ça va faciliter les choses. Voilà. Ce qui veut dire, alors qu'on pourrait pas trop se permettre quand même de charger parce qu'il y a quand même des belles saloperies. Encore que, on pourrait faire ça. Ah merde, je peux pas me cacher. Merde. Bah du coup demi-tour. Ici on va se faire un petit tir, même si tant pis il est caché un petit peu. Profiter du bonus d'armure là. Esquive. Ouh, ça perce l'armure. Ok, c'est un chevreuil qui apparaît, c'est pas la mort, lui il s'est barré hyper loin. On serait quand même capable de le choper. On va aller jusque là. Il va très vite hein, Grumble Burkar. Tu préfères qu'on te laisse tranquille, pas vrai? Alors, on pourrait enchanter notre truc, enchanter l'épée ou prendre un point. On va enchanter notre petite... arbalète, étant donné qu'elle a quand même des bonnes capacités de tir. Hein. Donc on récupère Ashen Thrower, quoi, le lanceur de cendres. Hein. Prouesse restitue un point d'action. Ah bah du coup ça c'est dommage, ça sera pas forcément très utile s'il riposte à des attaques quand c'est pas son tour, mais quand même, hein, ça peut être très intéressant. Alors il fait un dégât de moins de prouesse. Par contre, plus 1 de points d'action, ça fait quand même plaisir. Alors toi, débarrasse-nous de ce chevreuil, tant qu'à faire, voilà, que dame puisse se faire plaisir. Tu vas aller dans son dos. Là, on va le taper. Voilà, la prouesse de Pispousse encore. Ici, on change d'arme et le petit coup de dague. Voilà, parfait. Laura qui est un petit peu toute seule, mais qui esquive à la perfection. Ah, il est trop loin. Alors, qu'est-ce que tu peux faire?
Alors, ça c'est une hache. Donc du coup, t'as à la fois outil et à la fois bois. Ouais, mais ça me paraît pas mal. Oh, c'est la violence, hein. La vache quoi. Bam! Ah, le chevreuil qui esquive. Ici, je pense qu'on va pouvoir se rapprocher du coup. Et terminer celui-là. Voilà, parfait. Un raccoon de moins. Merde! Putain, j'ai bougé avec elle. Tant pis. On va prendre l'arc. Allez, le petit coup de caillou qui va bien, et c'est terminé. Propre. Ah, on trouve une nouvelle arbalète. Bah, l'arbalète de l'orme pour le coup, qui est vraiment le truc de base. Alors on pourrait le donner à Laura. Ça pourrait lui faire une arme à distance éventuellement, pourquoi pas. Ah, cet avantage, hein, c'est que les arbalètes peuvent être prises à une main, donc même si elle a son crochet, elle peut l'utiliser. Alors, les gorgones ont été massacrées. La bataille les amène dans un creux plein de boulders, c'est des rochers, où de l'herbe grise comment match la couleur du ciel. Ok. Quelqu'un à dessiner des dragons. Ok. Hey Grumblebarak, old Grumblebarak, le suiveur de traces, est-ce que tu es blessé? Est-ce que c'est quoi ton monstre favori? Bah je crois que aucun d'eux. Enfin le Banyan Man, j'ai toujours compris. Ça devrait être un classique comme le Kraken. 8 arbres et 8 arbres. 8 bras pardon. Et une tronche plein d'yeux. Une force capable de bouger les continents. Alors ces réponses sont cool, mais certains d'entre nous auraient toujours voulu un dragon. La seule bestiole qui vaut le coup d'être dressée est un dragon pour moi. Ouais, et ton canard, pisse-pousse, pauvre petit canard. J'aime comme les dragons font leur lit, comment ils... ouais. Quel point c'est différent... là, directement métaphorique. Ok, très bien. Je ne peux pas attendre juste qu'on soit autour d'un feu, les histoires vont être racontées. Ok, très bien. Bon, ma traduction était un peu naze sur cette partie-là, je suis désolé. Alors, les Ragers font plus de dégâts. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal aux fesses. Ça fait mal aux fesses, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain coup, on pourra éventuellement sécuriser cette zone et aller nettoyer ici nos amis les abyssaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.